13e arche. Et je suis venue ici au Parlement me promener et vous montre le trottoir où je puis aujourd'hui bien me promener dessus, car le dimanche, c'est pratiquement impossible. Car les automobilistes garent leur voiture systématiquement sur les deux trottoirs qui entourent le Parc Beaumont. Voici maintenant arrivé près de ce qui était avant le clubhouse. Et regardez cette pelouse, l'état dans lequel elle est. Ce n'est pas étonnant, chaque fois que je passe, il y a toujours des voitures qui sont garées dessus. Et croyez-vous que ces personnes, si elles ont des maisons avec une pelouse, elles aimeraient qu'on y mette une voiture dessus? Non, certainement pas. Pourquoi le font ici? Regardez, en bas de platane, ils ont mis des machines. Regardez les traces. Ça signale que les voitures viennent systématiquement se garer ici. Un échafaudage a été mis ici maintenant. Et ça, c'est systématique, tous les dimanches, les Palois qui viennent se promener au Parc Beaumont garent la voiture sur les deux trottoirs, à gauche et à droite de cette avenue. Puis je me promène facilement sur les trottoirs. Mais savez-vous que dimanche dernier, toutes les voitures étaient garées sur le trottoir, à gauche et à droite. Et il n'y avait aucun centimètre carré de disponible pour les piétons où ils pouvaient se promener. Les trottoirs servent d'aire de stationnement aux automobilistes qui viennent au Parc Beaumont. Voilà, c'était ma vidéo de ce vendredi 13 mars. Je suis venue faire un petit tour au Parc Beaumont et vous donne rendez-vous pour voir des futurs WDD News.